Tout est si simple, et en même temps, si difficile à supporter. La société est un long périple qui n'épargne personne. Se lever, manger, travailler et s'endormir. Marcher, courir, s'épuiser jusqu'à recommencer. La vie des résignés à l'âme tourmentée. Le quotidien maussade et sans saveur dans lequel nous sommes bloqués en silence. Perdu dans la puissance, comme un grain de sable au milieu de l'espace. J'attends. J'attends l'étincelle sans même y croire. Jusqu'au jour où Yo mec, tranquille, ça va? Au calme. Alors, tu vas où? Une question. Bonne question. Oui, bah oui, j'avoue que c'est une bonne question. Non mais, pourquoi tu marches? Pour avancer. J'ai pas de destination en fait. T'as pas de destination? Pareil, mon gars.
Passons personne à destination, personne. Est-ce qu'on sait vraiment où on va? Franchement. Tu me suis? Non, tu ne me suis pas. Ok, d'accord, le mec le prend dans ma voiture, super sympa. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, tout le monde cherche son chemin. Certains le trouvent, certains le trouvent pas. Mais bon, au final, où est-ce qu'on va? Vraiment. Ça, personne ne sait. La fin. La fin. Quoi la fin? Tous les chemins mènent à la fin. À la fin! Ah! À la muerte! À la morte! Zedef, tu me parles de ce truc-là! Ok. Toi, on va te trouver une destination. Regarde là-bas. Tu vois les gars là-bas? Tiens-moi ça. Regarde-le bien. Regarde-le très très bien. C'était gênant. Mais drôle. Mais c'était gênant quand même. Bon, Ethan. Pourquoi? Pourquoi quoi? Le sac, tout seul, le voyage. Pourquoi? Bah pour tout te dire, je m'emmerde. Mon taf, ma vie. Les études, l'entourage. Y'a rien d'intéressant. Seulement les jours qui passent et qui passent. Je vis une routine. Une très belle routine. Et le pire, c'est que je suis même pas triste. Je reste stoïque. C'est pour ça que je suis parti. Pour faire une pause dans ma vie. Tu m'écoutes? Ah, je vois. Je vois. Tu sais, Dan, un jour, un grand philosophe a dit: je suis parti sans me dire. Sans me dire. Qu'est-ce que je vais devenir? Stop! Ne réfléchis plus. Philosophe. Maître Gibbs. Bella. Bella. Le plus grand rappeur de tous les temps. Non, enfin bref, Ethan. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut fuir. Il faut fuir pour mieux revenir. Et puis bon, dans tout ça, le problème, le plus ennuyant surtout, bah c'est toi. Moi? Ouais. Ton problème, il vient de là. Ouais. Moi je te le dis. D'ailleurs, demain, on va te soigner. Ouais. Me soigner. Comment ça? T'inquiète. Alors, t'es prêt? Allez, quand il faut se soigner, il faut se soigner.
Non, mais c'était pas prévu comme ça. Ah si, si, tu vas le faire, tu vas le faire. Non, mais tu m'avais pas dit tout. Je le fais pas, c'est mort. Eh bien, merci. Vraiment merci. Très important. C'est dans la vie, plus on est fou, plus on rit. Et plus on rit, plus on vit. Exactement. Plus on rit, plus on vit. Exactement. Bon, je te dis au revoir. À bientôt. Allez. Attends. J'ai une question, comment tu t'appelles? Franchement, appelle-moi le conducteur. El conductore, ok. Bon, je te dis à bientôt. Salut Tan. On rentre bien. Et n'oublie pas, très important. Très important. Les pierres, c'est ennuyant. C'est mieux quand elles fondent. Ok. Allez. Et bonne route. Merci. Ah oui. Et regarde dans ta poche. Où est-ce que je vais? Aucune idée. Mais au moins, je sais que j'y vais. Eh, excuse-moi. Ouais. Tu t'appelles comment? Ethan. Tu fais quoi tout seul? Je voyage. Oh, trop stylé. On fait soirée avec nos potes sur la plage, tu veux pas venir? Allez, s'il te plaît, c'est super cool. Ouais, franchement, il y a une bonne ambiance et tout, c'est vraiment bien. Ouais, si vous voulez, vas-y. Oui, oh, allez. Il est excellent. Merveilleux. Il est tac et génial. Quel homme. Il est fabuleux, ce type. Il est énorme, mec. Pouah, il est inspiré. Vous savez, dans la vie, faut se laisser vivre. Parce que si on se laissait pas vivre, bon, ça se paierait pas la vie, hein. On est tous d'accord ou pas? Oui, c'est ouais, clair. Ouais. Du coup, bah, faut pas qu'on se prenne la tête. Faut qu'on vive, qu'on kiffe. T'as raison, mec. Faut pas se prendre la tête. Fume-moi ça. C'est de la merde. Comme ça. Tu tires une bonne latte. Tu gardes la fumée dans ta bouche. Tu regardes l'horizon. Et ensuite, t'imagines qu'il y a ta mère. Comme ça. À toi. C'est dégueu. C'est dégueu. Bon. Et maintenant, on boit!
Oh les gars, j'ai une putain d'idée. Dans une semaine, je ferai des sprites. Pour vite fait de bagage. Du coup, je vais niquer ta mère. Putain. Georges Brassens l'avait dit. Quand on est con, on est con. Plus on pense la fuir, plus elle nous rattrape aussitôt. Saloperie. On pense s'en débarrasser comme un vêtement, et puis un jour, on se rend compte qu'elle fait partie de notre peau. Paysages, voyages, les folies, ce ne sont que des illusions. Fermez les yeux. C'est se prendre à son propre piège. Parmi toutes les prisons, celle dont il est le plus difficile à s'échapper, c'est soi-même. Un cri intérieur, personne n'entendra jamais l'écho. Puis l'envie de tout foutre en l'air se présente, sans pour autant savoir par où commencer. Ethan, ta poche. Tu fais quoi toi? Regarde dans ta poche. Qu'est-ce que tu...
Madame. Excusez-moi, madame. Madame. Est-ce que vous connaissez ou... Enfin, est-ce que vous savez où c'est cette montagne? C'est pas une montagne, non. Oh là là. Volcan. Est-ce que vous savez où est-ce... Vous voulez peut-être de l'aide, non? Le caddie, je le mets où? Ah, laisse-le dans l'entrée, là. Merci beaucoup. Ok. Tu restes dîner avec nous ce soir? Mon mari ne va pas tarder à rentrer. Oui, avec plaisir. Merci. Bon. Sauf que je voulais acheter un McDonald's, mais c'est un peu loin d'ici. Donc, ça sera une soupe. Pas de souci. Merci. Voilà la bonne soupe. Voilà. Oui, il ne va pas tarder. Il n'est jamais à l'heure, celui-là. Votre mari? Oui, mon mari. Que fait-il? En ce moment? Oui, dans la vie. En ce moment? Eh bien... Donc Marie est mort. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Vous n'avez pas de famille? Si, si, bien sûr. Je ne peux pas! Personne ne me fera partir de cette maison! C'est la seule chose qui me reste, c'est de lui! Cette maison, il l'a construite de ses mains! J'ai pas le droit de l'abandonner! Vous comprenez? J'ai pas le droit de l'abandonner! Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous restez? Je peux comprendre. Enfin non. Je peux pas. Mais cette maison, ce n'est pas lui. Ce n'est qu'un tas de briques, c'est lui qui l'a construit. Mais ce n'est pas lui. Tout ci, tout ça. Au final, ce n'est que matériel. La seule chose qui vous reste de votre mari, elle se trouve ici. Ouais, c'est vos sentiments. Les moments que vous avez partagés avec lui. Ce n'est pas cette maison. Et il vous reste encore une chose d'important. Votre famille, vos enfants. Allez les rejoindre. Il n'y a rien à faire ici, de toute façon. Profitez. Il n'y a rien de plus important que la famille, je crois. J'en suis sûr, même. Tout le reste... Et tout le reste n'est que matériel. Je vais te montrer où se trouve le volcan.
on fait du sale sur l'instrumental. On fait du mal, tu sais, on n'est plus trop sentimental. Et surtout, bébé, ne nous annonce pas ton décès. On s'en battra les couilles car on s'apaisera sur l'instrumental. On fait du sale sur l'instrumental. On fait du mal, tu sais, on n'est plus trop sentimental. Et surtout, bébé, ne nous annonce pas ton décès. On s'en battra les couilles car on s'apaisera sur l'instrumental. Ethan, tu veux conduire? Ouais, allez. Ouf. Oh, je veux pas voir ça. Et si lui passe devant, moi je passe derrière. Bah voilà, tu conduis très bien. Venez ce soir, on boit. Non, non, non. Non, pas ce soir. Non. Bah pourquoi? Mais non, mais ça fait 3 semaines. Non, chaque jour on se les met, on picole. Non, non, mais allez, c'est les vacances. Non, mais pas ce soir, je suis fatigué. Oh là là, mais t'es vraiment fragile. Non, mais c'est pas une question de fragilité. Bah si, juste, si, c'est une question de fragilité. Pas ce soir, j'en ai pas envie. Bah si, t'es non. Fragile. Non, mais non, mais, si, mais pas fragile. Du tout. Non, mais fragile. C'est fragile, absurde. Fragile. Non, mais. Fragile. T'es fragile. Relou. Fragile. T'es relou. Fragile. Arrête. Fragile. Arrête. Fragile. Arrête. Fragile. 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 Arrête. Fragile. Arrête. Fragile. Arrête. Fragile. Arrête. Fragile. Arrête. Ok, Ethan, tu conduis plus jamais. Ok, on boit ce soir. Pour en vrai, on est devenus amis. Et si finalement, c'était ça le secret? J'ai longtemps cherché à affronter un ennemi invisible, qui n'était autre que moi-même. Lorsque deux mondes s'entrechoquent, comme des atomes, leur explosion détruit tout sur son passage. Il ne nous reste qu'à présent plus qu'à trouver la clé, la récompense ultime, la lumière au bout du tunnel. Celle qui brille si fort que toutes les saisons s'affolent et bouleverse notre vision des choses. On accepte de vivre dès lors que l'on accepte ce que l'on est. Prendre les choses en main et les réinventer quand c'est nécessaire. Aucune excuse, aucune contrainte. Tout est possible quand on le décide. Il faut savoir saisir sa chance, attraper cette étoile qui nous paraît si lointaine, jusqu'à l'effleurer du bout des doigts. Dès lors, plus rien ne nous semble impossible. Nos barrières s'écroulent une à une et les premières fleurs naissent après la bataille. Quand un peintre dessinerait les paysages, il ne tient qu'à moi de créer les miens. Tristesse, joie, peur, haine, compassion, bonheur, et j'en passe. Une pierre n'a rien de tout ça. Mon cœur n'avait rien de tout cela. Mon cœur est en éruption.